Would words be enough to say that I'm sorry? I'm sorry for the times I made you cry. For all the hurt I caused, I can't deny. I took your love for granted, I was blind. Now all I wanna do is make it right. I know I don't deserve a second chance, but I'll prove to you that I can change my stance. I love you better, and I'll make you see that you're the one for me. So don't tell me that it is too late to apologize. I'm sorry. Allô, maman? Ouais. On est ensemble. Bonsoir, fils. Comment ça s'est passé? Tu sais que je voulais pas faire ça. Je l'ai fait juste à cause de toi. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Au moins, quand t'auras tes petits-fils, j'aurai la paix. Tu es une très bonne épouse. Très maternelle et travailleuse. Pas de problème, maman. Je te rappellerai plus tard. D'accord, bye. Tu vas bien? Il y a un problème? Non. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Pas de problème. Pas de problème. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? T'as fait un gaz? Aïe. Mais c'était un peu silencieux. Ah, c'est cette soupe qu'on a fait à la maison. Ça tourne mon ventre. Aïe. Cet endroit est très froid. Baisse la clim. D'accord, monsieur. Détends-toi, on va bientôt arriver à la maison. Trouve-nous un restaurant dans le coin pour qu'elle aille aux toilettes. Okay. Je ne suis pas sûre que ce restaurant fera l'affaire. Aïe, c'est comme si je veux faire caca. Arrête. Arrête ta voiture. Tu vas où? Mais prends moins de papier hygiénique. Oh, gars, laisse-moi. Elle est sérieuse, là? Ah! Mon gars! Non, mais dans quoi est-ce que je me suis mis? Du Mercier ne l'a pas fait ici. Hé! Hey. Peut-être que je ferais mieux d'aller la redéposer, hein? Non, monsieur, on ne doit pas la laisser. Essaie d'avancer, s'il te plaît. Hé! Hey. Vous savez, monsieur, ces problèmes arrivent souvent. Et les filles du village, c'est comme ça qu'elles font. Ah. Elles ont l'habitude de faire leurs besoins dans la forêt. C'est incroyable. Qu'est-ce que je suis allé prendre, mon Dieu? Hey! Tineke! Hey! Hey! Madame, ça va maintenant? Je vais bien. Hey! Hey! Si tu voyais ce qui était dans mon ventre. Hey! J'ai bien dit à ma mère que je n'aime pas le coba. Je n'aime pas le coba. C'est bon, ne me donne pas les détails, s'il te plaît. Hey! Ok? Oh. Oh, gars chauffeur, est-ce que tu as arrêté la... Comment ça s'appelle encore? La clim. Tu l'as arrêté? Cet endroit est toujours froid, c'est pour ça que je demande. J'ai éteint. Fais-le. Oh. Seulement pour se déplacer dans la voiture, ils ont besoin d'air frais. Thank you.
Je t'en prie, entre. Tu as le ballon au salon, le football. C'est pas du football. C'est beau, j'aime bien. Merci. Comme je l'ai dit, mets-toi à l'aise. T'es maintenant la femme de la maison. Kéké. Collé. Je ne dis pas que tu n'es pas sincère, oh. Mais ça fait comme si tu ne m'aimes pas. Mais écoute, je te le jure. Comme tu m'as épousé comme ça, hein. Je te le promets, hey, tu ne vas pas le regretter. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu ne vas pas le regretter. C'est bon, écoute. C'est à cause de ma mère que je fais ça. Naturellement, toi et moi, on peut pas se mettre ensemble. Donc soyons juste civilisés, d'accord? Prends tes affaires, on va voir comment tu peux t'échanger. J'arrive, monsieur. C'est quoi ça? Ah, c'est mon petit déjeuner. T'es sec, t'es suicidé? C'est mon petit déjeuner, c'est comme ça. Comment c'est possible? Et qu'est-ce que tu portes? C'est mon habit. C'est parce que je dois être Cersei. Que tu sois quoi? Cersei. Sexy, pas sexy. Et dis-moi, qu'est-ce que t'as mis là comme ça? C'est quoi ça? C'est la mode, c'est pour ça. Écoute, Victor va t'amener dans une boutique. Hey! Achète-toi des vêtements et débarrasse-toi de ces vieux machins. Oh, Dogo. Achète tout ce que tu veux. L'argent, c'est pas un problème. Oh, Dogo. Hey! Merci, monsieur. Merci, monsieur. Elle est bonne, la sauce? Attends une seconde. Ouvre ta bouche. Non. Tu es sûr? T'inquiète, je vais très bien. Je contrôle mon poids. Je mélange avec un peu d'œuf. Ah. Hey! Maintenant, je sais pourquoi t'es si grosse. Tu bouffes un peu de tout. Bon, je vais partir. D'accord. Pas de problème. Hé, tu manges doucement. On dirait que t'as envie de prendre le plat et te mettre sur ta tête. Et c'est ça que ma mère veut. Je sais qu'il faut manger, mais il faut contrôler ce que tu manges. J'ai compris. Je suis parti. Bébé, achète-moi quelque chose quand tu vas rentrer, oh. Tu as compris? Il ressemble au genre d'enfant qui mangeait les trucs de blanc quand il était petit. Hi. Okay. Regarde ce que j'ai acheté au marché. C'est quoi ça? Au marché? Je t'ai dit d'aller dans une boutique. Ah, je sais. Victor.
Victor m'a amené dans cette boutique qui est de ce côté. Oui, de ce côté. Et cette femme a dit qu'un seul habit coûte 50 000. Je lui ai dit que j'arrivais. Imagine ce que j'ai fait. J'ai pris cet argent, je suis allée dans la friperie pour acheter beaucoup d'habits. C'est pour ça que t'es allée au... T'es allée acheter ça? Ce n'est pas un chiffon, ce sont des habits. Regarde, non. Je sais pas pourquoi je me dérange autant. Oh, Bim. Est-ce que tu bois du vin? À ton avis, c'est quoi, du ketchup? Bien sûr que c'est du vin, tu n'en boiras pas, parce que t'es enceinte. Pas de problème, moi aussi je n'aime pas l'alcool. Comme je vois ça maintenant, ça me donne envie de vomir. Alors, tu n'as pas besoin de donner pour c'est moi. C'est pas pour ça, c'est parce que t'es enceinte et ça pourrait faire du mal au bébé. C'est comme si tu ne me prends pas vraiment au sérieux. Tu te comportes comme si... C'est seulement parce que je suis enceinte que tu m'as épousée. Kéké, ce n'est pas bien, oh, ce n'est pas bien. Tu ne m'étonnes pas de la tête. Ada, tout d'abord, Coli, c'est mon nom, et arrête de m'appeler Kéké. Et tu savais le deal avant de le faire, pas vrai? Ne te fâche pas. Ogoma, ne te fâche pas. Eh, c'est bon, arrête. Ah, c'est bon. Kéké. Je pars t'attendre à l'étage. C'est quoi ça? Tu aimes ça? Tu vas arrêter de me toucher? Ne te fâche pas. Tu vas me laisser tranquille à la fin? D'accord. Tu es beau. Je vais à l'étage maintenant. Faire quoi? Arrête! Bienvenue, Ma. Merci. Est-ce que Coley est là? Bienvenue, Ma. Merci. Est-ce que Coley est là? Oui, il est là. Ok. Hey, toi, tu es qui? Je suppose que tu es la nouvelle servante. Ménage? Non. C'est moi la nouvelle madame de cette maison. C'est moi la nouvelle madame. Qu'est-ce que tu veux dire par maîtresse de maison? Mon mari. Ok, bienvenue. Bella? Déjà mariée? Collée, ça fait combien de temps? Juste 3 mois. On dirait que t'avais hâte de mon départ. Quoi? Tu m'as abandonné. T'as oublié? Tu devrais être à Londres à cette heure-ci. Justement, j'y étais. Mais je ne pouvais pas. Parce que je suis enceinte. Hein? Ah. T'es enceinte de moi? Je suis enceinte de 3 mois. Sais-tu à quel point mes parents étaient furieux quand ils ont appris pour ma grossesse? Ils ont travaillé très dur pour que j'aille à l'étranger. Mais me voici ici, enceinte de ton enfant. Hey! Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe ici. De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Écoute, mon père était tellement furieux après moi qu'il a brûlé mon passeport et mon visa. Présentement, je suis coincée et je n'ai nulle part où aller. Et c'est pour ça que je suis venue, ok? J'ai juste besoin d'un endroit où... Restez jusqu'à ce que je donne naissance. Mais écoute, je ne suis pas ici pour te voler ton mari, ok? J'ai juste besoin d'un endroit où dormir jusqu'à ce que j'accouche, c'est tout. Hey, tu n'es pas là pour arracher mon mari. Mais tu es venue ici. Pourquoi tu n'as pas appelé Kéké pour qu'il te trouve un autre endroit? Tu es censé être là. D'accord, c'est bon. C'est bon pour moi, ok? Du moment où...
Il accepte de s'occuper du bébé. Moi, ça m'arrange. Attends. Si t'es enceinte de moi, alors tu restes. Kéké. C'est bon. Kéké, je n'aime pas ce que tu fais, oh. Kéké, ce que tu fais là n'est pas bien, oh. Écoute. Tu n'es pas. Que tout le monde se pose cette question, tu n'es pas bien, oh. Tu n'es pas bien. Je n'aime pas ce que tu fais, oh. Dis-lui de sortir de cette maison, oh. Dis-lui de sortir de cette maison, je n'aime pas ça, oh. Qu'elle ne te touche pas, oh. C'est maintenant qu'elle choisit de venir avec sa grossesse dans cette maison. Dis-lui qu'elle va avorter, oh. Désolé pour tes parents. Tu m'as moi, maintenant. Ok. Colette, je ne t'aime pas toi. Tu es mariée. Ça fait rien. Et je t'aime toujours. Je t'aime toujours, Bella. Écoute, j'ai dit qu'elle va rester. Il n'y a pas moyen pour qu'elle s'en aille. Elle porte moi, mon enfant. Moi aussi, je porte ton enfant. Moi aussi, je porte ton enfant. Tu étais censé la mettre dehors, mais tu acceptes qu'elle reste je dans cette maison. Je ne peux pas faire ça. Comprends qu'elle est enceinte de moi. J'espère que tu ne veux pas faire ce que je crois. Une personne à qui tu étais censé trouver une maison dehors, maintenant tu acceptes qu'elle reste ici. Je suis sûre que mes parents vont venir me chercher. Tu es venue m'épouser, mais tu ne me respectes pas. J'aime Bella, d'accord? Rien ne va changer ça. Si elle s'en va, toi et moi, on ne sera pas à l'aise dans cette maison. Ta mère et la mienne ont arrangé ça parce qu'elle n'était pas là. Et je te conseille. Tu restes pendant ta période de grossesse. Une fois que t'accouches, tu peux t'en aller. Tu vas faire ta vie. C'est moi que tu appelles un arrangement. C'est moi que tu appelles un arrangement. Tu as été d'accord? Ne fais pas ce que tu veux faire, ne fais pas ce que tu veux faire, je n'aime pas ça, ne fais pas ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire est mal, je n'aime pas ça. Attention, c'est trop chaud? Oui, bébé, c'est très chaud. Laisse refroidir un peu. Incapable de boire un simple café. Idiote. Je suis déjà en retard. Ah, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Je t'ai envoyé un peu d'argent. Tu okay. t'achètes quelques trucs et pour le bébé merci. Aussi. Merci beaucoup. Merci. T'as besoin de quoi que ce soit? Je ne veux rien. Si tu ne la mets pas dehors. D'accord. Passe une agréable journée. Prends soin de toi. Bye. On a le même mari, n'est-ce pas? Toi et moi sommes maintenant tes co-épouses, n'est-ce pas? Ada, écoute. Je ne suis dans aucune compétition avec toi, ok? Tu es peut-être sa femme, mais je suis celle qui porte son enfant, ok? Alors s'il te plaît, arrête toutes ces bêtises. C'est l'or que tu as dans ton ventre. Parce que tu es tout le temps en train de dire dans cette maison nya, 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 nya. C'est seulement toi qui es enceinte. Tu crois qu'un enfant ne peut pas entrer dans mon ventre? Hein? Enzo, je vais te montrer. Prends ça pour commencer, idiote. Tu peux rester ici. Kai, remercie tes dieux parce que je suis de bonne humeur. C'est que je t'aurais divisé en deux, comme ce foufou ce matin. Cette sorcière n'a même pas mangé. Et où?
Allô? Allô, bébé? Bébé? Tu me dis pas que t'es pas allé à la boutique aujourd'hui? Je ne vais pas bien, bébé. D'accord, d'accord. Oui, bébé. Je ne suis pas partie. Je me sens tellement faible. Je suis fatiguée. Je ne savais pas que la grossesse était aussi stressante. Juste 3 mois et je me sens déjà comme ça. Je ne pouvais pas partir. Mais mes vieux vêtements sont toujours tapendrés. Alors, je vais les mettre et faire les achats pour le bébé quand je sortirai. Ne te stresse pas pour ça. Je te verrai tout à l'heure. À plus. D'accord, bébé. S'il te plaît, rentre vite, ok? D'accord, bébé. Bye. Bella? Bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui, bébé. Hein? Oui. Allez, viens t'asseoir. Assieds-toi. Ça va? Kéké, bienvenue. J'ai cru que t'étais malade. Oui, bébé, mais ce n'est rien de grave. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as alors? Je suis reposée. Oh, d'accord. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, juste que je me suis précipité quand tu as dit que tu n'allais pas bien. Oh. T'as mangé? Oui, j'ai mangé quelque chose. Une nourriture qu'elle a cuisinée. Je ne sais même pas. Bébé, j'ai soif, j'ai besoin d'eau. Ada, apporte-lui de l'eau à boire, s'il te plaît. Fraîche? Oui, je t'en De l'eau fraîche, s'il te plaît. Il faut que tu t'hydrates de temps en temps. Je le ferai, bébé. Je sais. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que t'as mangé? J'ai juste mangé du riz. Je n'ai vraiment pas mangé. Je ne sais pas. Ça n'avait pas bon goût et... D'accord, d'accord. Ouais, je comprends. Tiens. Vas-y, c'est bon. T'es sûr? Merci. Ada, un problème? Tiens, bébé. Bah vas-y alors. Attends, avant que tu t'en ailles, ton sac, tes affaires... Amène-les dans l'autre chambre. Elle va s'installer dans la mienne. Hmm? T'as entendu ce que j'ai dit, allez. Tu veux me mettre moi, Ada, dehors? Ta femme? Pour que cette chose jaune qui est assise là avec ses gros yeux, pour qu'elle vienne me remplacer dans mon endroit, dans ma chambre conjugale? Kéké, c'est à cause de cette fille voleuse de foyer. Cette personne jaune qui est assise à côté de toi, c'est à cause d'elle que tu veux me mettre dehors. Si tu veux que je devienne aussi jeune, achète-moi et le colorant et je serai plus belle qu'elle. Ada, fais simplement ce que je t'ai demandé. D'accord, je vais le faire. La grossesse qu'elle porte, c'est ça que je porte aussi haut. La grossesse qu'elle porte, c'est ça que je porte aussi haut. Tu m'en es témoin, tu comprends? La grossesse qu'elle porte, c'est ça que je porte aussi. Tu fais comment pour la supporter? Si je devais la ramener, je l'aurais fait il y a très longtemps. C'est parce qu'elle est enceinte. Tout ça, c'est ma mère. Qu'est-ce que je peux bien faire? Je ne sais pas, mais elle doit rentrer. Ça va? Tu as mal? Prends-moi dans tes bras, je me sentirai mieux. D'accord, d'accord. Oui, s'il te plaît. Merci, bébé. Je t'en prie. Ça va? Why don't you let me?
what's inside, hoping you notice me. I have learned your favorite songs. I wear the colors that you like, but you walk by oblivious, like I am out of sight. Oh, I give my all to you, but baby, you don't seem to care. Oh no, oh no, I am always here, but you always seem to be unaware. Ada? 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 T'as pas entendu comment je t'appelais? Pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis désolée, je ne sens pas bien encore. Comment ça, tu te sens pas bien? De toute façon... Tiens. Tu iras au marché, tu nous cuisines des légumes avec des ignames, s'il te plaît. Tu le fais pour Bella, pour nous tous. Kéké, je ne sens pas bien mon corps, je ne vais pas c'est bien, bon. S'il te plaît. Tu arrêtes. Arrête de faire semblant, c'est pas le moment. Et quand il y aura à manger, tu vas pas manger aussi? Donc tu veux que moi j'aille au marché pour... Ok, rends-le-moi. Non, c'est bon, c'est bon, donne-le-moi, j'irai. Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Et quand il y aura à manger maintenant, tu vas manger le plus. T'es là couché à faire semblant. Allez, debout, lève-toi, c'est pas ce que tu fais encore couché. Je viens... Je viens. Why don't you love me? I'd do anything for you. Why don't you love me? Inside, hoping you notice me. I have learned your favorite songs. I wear the colors that you like, but you walk by oblivious, like I am out of sight. Oh, I give my all to you, but baby, you don't seem to care. Oh no. Shine, shine like the sun. See, I'm
Madame? Madame? Vous allez bien? Madame? Vous voulez que je vous conduise à l'hôpital? Ah. Je ne comprends pas. Vous dormez? Et vous ronflez? Hé, hey, Seigneur! Les gens dorment carrément partout! Ah, c'est vraiment surprenant! Madame! Ce n'est pas l'endroit adéquat pour dormir! Hein? Madame! Wow. Je ne sais pas, devrais-je la laisser ici ou... Madame. Chercher. Et si quelque chose lui était arrivé? Hello? Hello? Ok. Ok. Hello? 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 Salut. Hello. Ok. Salut. Toi, tu es qui? Je m'appelle Caleb. Je vous ai amené ici. Je vous promets que je ne vous ai pas kidnappé. Je... S'il te plaît, Oga, où est cet endroit? Je ne comprends pas. Keke! Où est-ce que vous allez? Keke! Il n'y a personne de son nom ici. Keke! Oga. Vous allez bien? On n'a pas ce genre de lumière dans notre maison, oh. On n'a pas ce genre de... Keke! Allez-vous vous détendre? Où est-ce que je suis, Yoga? Où est-ce que tu m'as pris? Aidez-moi! Détendez-vous! Je ne vous ai pas kidnappé, je vous ai aidé! Vous dormiez dans la rue! Je ne savais pas quoi faire, alors je vous ai amené chez moi! Qui est Keke? Yoga, attends, si je comprends ce que tu as dit, là... Tu m'as vu en route pendant que je dormais, Tété. Et tu es venu avec moi dans ta maison. Hey! Regarde-leur pour moi, oh, regarde-leur. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Regarde-leur. Il est juste 17h30. L'heure est... Il est 17h30 minutes. Oui. 17h30 et je ne suis pas encore chez moi. Je ne comprends pas. Seigneur, Oga, ramène-moi chez moi. Oga, ramène-moi chez moi. Remercier, j'ai sauvé votre vie. Oga, si tu sais là où tu m'as trouvé, va me remettre là-bas que je rentre dans la maison de mon mari. Ramène-moi chez moi, oh. Est-ce que vous allez vous calmer? Vous extrapolez, détendez-vous. Oga, je te dis de me porter et de me déposer là où tu m'as trouvé, tu ne comprends pas. C'est ton temps. Aidez-moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Tu veux me sacrifier dans les rituels? Mais quel rituel? Je vous ai aidé. Tu m'as kidnappé. Ramène-moi là où tu m'as trouvé. Je dois voir mon mari. D'accord. Il est déjà 17h30. Hey, Ogao. Ada, d'où viens-tu? Je viens du marché. Ada, ne joue pas avec moi. D'où viens-tu? Obim, tu as dit que je pars au marché. Je viens de là-bas, au marché.
Je vais te le demander pour la dernière fois. Je vais pas tolérer des bêtises dans cette maison. D'où viens-tu, Ada? Je t'ai dit que mon corps n'allait pas bien. Kéké, je t'ai dit que mon corps était bizarre, mais tu m'as dit d'aller au marché acheter quelque chose pour cuisiner. Arrivée là-bas, j'ai commencé à dormir. C'est mon amie qui m'a retrouvée quand je dormais et elle m'a réveillée. Donc t'étais avec un ami? Un homme ou une femme? Donc maintenant, tu as des amis. Tu as maintenant des amis. Tu amènes tes amis chez moi. C'est comme ça que tu veux commencer, hein? D'accord. T'es libre de le faire, mais pas chez moi. T'es une femme mariée. Tu sais quoi? Sors de chez moi. Kéké. Tu m'entends? Je ne m'appelle plus comme ça. Sors de chez moi tout de suite. Mon mari, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Je t'ai dit que mon corps n'allait pas bien. Je lui ai dit que mon corps n'allait pas bien. Mais c'est toi qui m'as demandé d'aller au marché. Je ne voulais pas partir. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis endormie. Maintenant, tu dis que je sors de ta maison. J'ai pas envie de me répéter. Mon mari, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, oh. Ce n'est pas où est la personne chez qui je vais partir maintenant. Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Bébé, s'il te plaît, tu ne peux pas la mettre à la porte. Ta mère ne sera pas contente si elle le découvre, alors calme-toi, ok? Ne me demande pas de me calmer. Tu veux te joindre à elle? Non, pas du tout. Victor! Mon mari, je... Victor! Je t'ai dit que mon corps n'allait pas bien. Je t'ai dit que mon corps n'allait pas bien. C'est toi qui m'as dit de partir au marché. C'est toi qui m'as dit de partir tu au marché. Tu fermes le portail derrière elle. Mon mari, ne fais pas ce que tu veux faire, oh. Monsieur. Tu fais quoi debout là? T'es stupide? Désolé, ou quoi? De partir. Désolé, madame, ah, mon mari, je ne sais pas chez qui je vais rester. Ne fais pas ce que tu veux faire. Sors de chez moi tout de suite. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. T'approches pas de moi. T'as déjà des amis garçons, c'est ça? Tu iras rester chez eux. Mon mari. D'ailleurs. Tu vas rester dans la maison de qui? Mais monsieur, calmez-vous. T'es toujours là à me regarder comme un fou. Désolé, monsieur. Je ne sais pas chez qui je vais rester, mon mari. D'ailleurs. Tu ne vois pas que t'es allé un peu loin? Ta mère sera en colère contre toi si elle apprend que tu l'as mise à la porte. Je veux te joindre à elle. Elle est là, à la porte. Si elle savait qu'elle était une femme mariée, elle n'aurait pas fait ça. Désolé, mais la vérité est que Dieu est vraiment sainte. Mais c'est vraiment terrible. Moi, ça ne me fait pas rire. Attends, je suis désolé. Mais le truc, c'est que si on pense à... Quand on y pense, on aurait dû que le gars a utilisé ton corps en attendant sa petite amie. Il m'a utilisé pour chauffer son corps pendant que sa petite amie arrivait. Les hommes. Tu es là à montrer tes dents. C'est quoi ton histoire à toi? Rien de vraiment sérieux. Je ne suis pas actuellement marié. Je suis célibataire, donc... Tu vois, je savais que tu n'étais pas marié. Parce que si tu étais marié, tous ces abdos que tu as allaient disparaître. Quoi? Oui, ta femme allait préparer de la bonne nourriture pour te donner, non? C'est parce que tu n'es pas marié que tu as tous ces abdos. En fait, actuellement, je suis super casané, donc j'ai vraiment besoin de la bonne nourriture. Donc, je voudrais te demander, tu cuisines très bien? Genre de la soupe au doux, de la sauce d'arachide, de la sauce pistache... Oh, nous beau. Oui. Dans mon village, on fait la compétition et c'est moi qui gagne. T'es sérieux? Je cuisine, oh. Ok, j'ai une proposition pour toi, d'accord? Puisque je suis à la recherche de quelqu'un qui sache cuisiner pour en faire chez moi,
Que dirais-tu si tu venais travailler pour moi? Genre, tu viens cuisiner pour moi quand j'en ai besoin. Et en échange, tu pourrais, tu sais, résoudre certains de tes problèmes. Je ne comprends pas. Ta grammaire, c'est quoi que tu dis? Ok, bien. Ce que j'essaie de te dire, c'est que ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'apprendre un peu d'anglais. Histoire de l'améliorer un peu. Et comment tu dois parler. D'accord? Un peu des choses comme ça, tu sais. Tu vois, comment te comporter, faire du make-up, juste revoir un peu la façon dont tu t'habilles, un peu de tout, tu vois. Et je te promets, ça ne sera qu'une histoire de semaine pour qu'il veuille te récupérer. Qu'est-ce que t'en penses? Si je comprends la chose que tu me dis maintenant, tu dis que tu vas m'apprendre les manières. Ouais. Tu vas m'apprendre comment je vais arranger ma peau. Comment je vais bien porter les habits. Comment je vais arranger ma tête. Ouais, un peu. Si c'est ça que tu dis, alors fais-le, non? Je veux faire revenir Kéké. Ouais. Cette femme avec qui il est venu à la maison, tu sais, je suis belle plus qu'elle. C'est seulement parce qu'elle arrange sa peau et qu'elle arrange sa tête. C'est elle que Kéké regarde. Si je fais ces choses que tu as dit, là, c'est moi que Kéké va regarder. 100%. Je n'ai jamais arrangé ma peau, c'est comme ça que c'est. Maintenant, je vais arranger ça. Kéké va seulement mourir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on commence? On peut commencer quand tu commenceras à venir cuisiner, c'est tout. Hé, donne-moi le temps de réfléchir à ça, oh. Hein? C'est okay, parce que... Ok, prends juste tout le temps dont tu auras besoin. Si je m'arrange un peu, hein? Aïe, 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 aïe. Si je m'arrange... Ouvre la porte. Madame. Ouvre. Ah, madame, rassurez-vous que le patron ne vous voit pas. Ah, ah, il n'a pas dormi. Je suis surpris. Méfiez-vous juste quand vous allez entrer. Vous voyez? Soyez très très prudente. Il est au salon. Je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas vu. Mais je crois que s'il dormait, j'aurais su. Il ne dort pas encore. Alors marche juste comme... Marche comme ça. Sur la plante des pieds. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, Kéké, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Un souci? Je voulais te dire que je veux aller à la visite. Visite prénatale. Tu sais que ma grossesse a déjà 4 mois. 4 mois? Fais-moi voir. Ça, c'est une grossesse de 4 mois? T'es sûre que t'es enceinte? Non. Demande au chauffeur de t'y amener. Kéké. Je veux que tu me donnes de l'argent. Je vais acheter les habits du bébé. Je vais te laisser la carte bancaire. Autre chose? Mmh.
Ada, comment tu vas? Tu vas bien? Oui. Ok, super. Ok, nous allons commencer. Tu vas utiliser ce stylo. Eh bien... Alors, aujourd'hui, on va étudier la figure de langage. D'accord? Donc, je vais t'amener étape par étape à apprendre l'alphabet français. En commençant par l'alphabet A. Alors, A, c'est A. Ça se prononce comme A. Ok, laisse-moi, donne-moi, je vais te montrer comment ça s'écrit. Allez. Alors, tu traces une ligne comme ça. Tu traces un trait, un autre trait, tu vois? Ça, c'est la lettre majuscule A. Et donc, la lettre minuscule s'écrit comme A. Et c'est comme ça qu'on écrit. Oui. Ok, maintenant, crie de toi-même, je vais voir. D'accord. La lettre A. Ok, ok, super. T'en fais pas, au fur et à mesure, tu seras de mieux en mieux. Hein? D'accord. Ok, la prochaine alphabet... C'est B. B se prononce comme B. Ok? Donc, laisse-moi te montrer. Alors, B, c'est juste une petite droite. Et tu fais un rang comme ceci. Ça, c'est pour la majuscule B. La minuscule B s'écrit comme ça. Et... Bien. Ok, maintenant, écris de toi-même. Voyons voir. D'accord. Ah, c'est très bien. Ah, mais tu apprends vite. Allez, tape là. C'est très bien. Ok, donc, la suivante. On a C. C, c'est K. D'accord? Laisse-moi te montrer. Donc, C est juste très facile. En fait, la majuscule et la minuscule s'écrivent de la même façon, mais en différentes tailles. Je fais le C comme les beignets. Oui, mais demi. D'accord. C. Ouais. C'est K. Ok. Donc. C. C. C'est pour K. Ouais, c'est très bien. Ok, maintenant revenons au début. D'accord. Alors, A, c'est pour quoi? Et c'est pour A. B, c'est pour quoi? B, B. B, c'est pour B. C. C. C'est pour K. Super. C'est vraiment très bien. Maintenant, la prochaine lettre, c'est D. D'accord. D'accord. D, c'est pour D. Ça se prononce comme... Comme donc. Ça s'écrit comme ça. Une petite lettre. Mais le pied de cette petite lettre est très long. Oui, d'accord. Donc, essaie d'écrire pour qu'on voit. J'ai écrit. Ouais. Donc, tu devrais peut-être corriger le pied. Pour que ça ressemble à une petite lettre D. Ok, là, c'est mieux. Bien mieux. D'accord. Ça, c'est vraiment très bien. Allez, tape là. Voilà. La prochaine lettre... Ce n'est pas encore fini. Non. Ça compte 26 lettres. La mise en table. D'accord. Donc, le couteau est à ta main gauche. Ça, tu le tiens comme ça. Et la fourchette, à gauche. D'accord? Ok. Non, ne la tiens pas comme ça. Tiens-la à la base. Et après, tu vas bien tenir la fourchette pour bien tenir la nourriture. Ça peut être la viande, ça peut être les légumes, peu importe. Puis, tu utilises le couteau pour intelligemment couper. Ou alors séparer. Très, très prudemment. Ada. Après, tu prends la nourriture. Je devrais probablement aussi te dire que tu devrais prendre une petite quantité de nourriture pour ta bouche. Tu ne peux pas prendre cette quantité de nourriture, c'est beaucoup. Ok? D'accord. Ok, pour le vin, premièrement, tu ne dois pas tenir le verre de vin comme ça. D'accord? Tu dois le tenir
Tu dois le tenir entre tes doigts. Pas avec la paume de ta main. Juste entre tes doigts. D'accord? Puis tu le humes. Juste pour savourer le sens du vin. Prudemment. Prudemment pour ne pas verser le vin. Ok? Tu le savoures prudemment. Ok? Puis tu prends un fin goûter. Aïe! C'est amer. Ce vin n'est pas bon. Ouais, c'est du vin vintage. Je vais rincer ma bouche avec celui-ci. Je t'ai dit d'utiliser juste une main. Ok, tu dois mettre tes coudes en bas. Au côté du plat. Désolé, monsieur. Tu sais quoi? Demain, on va encore essayer, d'accord? D'accord. La leçon est déjà terminée, n'est-ce pas? Oui. Merci, monsieur. Seigneur Jésus. Ada, pourquoi tu utilises tes mains? Mais on a fini les leçons. Allô, maman? Je vais bien, maman. Maman, tout va bien. Je t'ai déjà dit. Relax. Je vais bien. Je ne lui ai pas encore dit. Je vais lui dire plus tard. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. D'accord, maman. Bye bye. Bye bye. J'ai fini de cuisiner. C'est à la cuisine. Si quelqu'un veut manger, il part chercher sa nourriture. Et où est-ce que tu vas? Je vais au prénatal. D'accord. Victor, tu peux venir? Bonjour, monsieur. Vous m'avez appelé? Je veux que tu la suives. Je veux savoir où elle va et qui elle rencontre. Depuis un moment, tu fais plus ton boulot. Désolé, monsieur. Garde-les pour toi. Va la suivre tout de suite. D'accord, monsieur. Tu la ranges ton enfilage. Merci pour le compliment, monsieur. Bébé? Pourquoi la faire suivre? C'est quoi le problème? Elle agit bizarrement ces derniers temps. Où est-ce qu'elle va et qui est-ce qu'elle connaît si elle est gosse? Tout ça, ça devient bizarre. N'est-ce pas censé être une bonne chose? Je veux dire qu'elle s'exprime nettement mieux en français. Et en quoi est-ce que cela est bien? Désolé, bébé. Et ce Victor, il est tellement long. Long dans tout ce qu'il fait. C'est comme ça que les nains se comportent. Bébé, as-tu faim?
J'ai pas faim. Ok. Est-ce que c'est beau? En fait, tu es fabuleuse. Tu vois ce regard que tu as sur ton visage? C'est comme ça que je veux que mon mari me regarde. La robe, tout est juste très très fabuleux sur toi. Merci. Merci. Ok, si on a passé cette étape, on va juste rentrer aux études. D'accord? Il n'y a pas de problème. J'ai comme une question que j'ai vraiment envie de te poser. Okay. Je veux dire, même comme on travaille sur ton look, en améliorant ton français, et sachant qu'il sera vraiment surpris quand tu arriveras, as-tu pensé à ce qui se passera si ceci ne marche pas? Je ne sais pas, oh. Si j'essaye toujours comme j'essaye maintenant, et que Kéké ne voit toujours pas comment j'essaye, alors je pars, non. Je ne vais pas aller me tuer à cause de l'homme. J'ai essayé. J'ai essayé, n'est-ce pas? J'ai essayé. Ouais. En fait, c'est juste... Je pensais juste que tu devrais savoir que si tu voudrais un endroit où rester, t'inquiète pas, tu seras toujours la bienvenue dans cette maison. Ok. D'accord, maintenant, assieds-toi, assieds-toi. Et après toi. J'apporte le cahier. Ok. Aïe. Fais-lui la passe, allez. Tu m'as appelé? Ouais. Je veux juste savoir si tes visites se passent bien. Et savoir comment va le bébé. Le bébé va très bien. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? T'as changé ton style, ton attitude. Maintenant, t'essayes de bien parler. Qu'est-ce qui se passe? J'essaye de t'impressionner. Restons concentrés, hein? On reste concentrés. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que ce que je veux, c'est t'impressionner. Hey. Ada, j'ai dit restons concentrés. Concentrés sur le bébé. Ne détourne pas l'attention. Non. J'espère que j'ai été clair. Moi. Ouais, à toi aussi. J'essaie de t'impressionner. T'as pas besoin, tu vas pas réussir. C'est ça. Tu as un retard. Ne te fâche pas. J'ai eu un petit problème avec mon mari. Ton mari ?
Ton mari par-ci, ton mari par-là. Qu'est-ce que tu vas divorcer? Si c'est d'un avocat que tu as besoin, dis-le juste, je passerai juste un appel et ça sera fait. Tout ce que tu dois faire, c'est demander. Moi, je sais que j'ai essayé. Comme j'ai essayé et qu'il ne me voit pas, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'accouche d'abord. C'est le problème qui est là maintenant. J'accouche d'abord. Très bien. C'est super. Comme je suis venue, c'est pour te dire. Je ne vais plus venir chez toi encore, oh. Eh, mon mari croit que je suis infidèle. Et toi et moi, on ne fait rien. Alors, je ne dois plus venir. Parce quoi? Que mon mari nous suspecte, toi et moi, oh. Et si ça continue, il va dire que c'est à cause de moi que ça s'est gâté. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ne cuisineras plus pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. C'est sur moi que tu cries comme ça. Comme je t'ai dit que je suis une fille du village, tu crois que je suis Momo? Et qu'en sera-t-il de moi? Qui va cuisiner pour moi? Toi qui? Hein? Toi qui? D'accord, tu sais quoi? Je suis désolé. Économise ton temps. Je suis désolé. Pardon. Ada! Ada! Ada, attends! Ada! Ada, attends! Mais qu'est-ce que je vais manger? Pourquoi tu veux me laisser ainsi? Rentrons à l'intérieur et parlons, hein, s'il te plaît. À cause des petits trucs que tu m'enseignes, c'est pour ça que tu me dis ces choses. Je sais, je suis désolé, hein, je suis désolé. Allons à l'intérieur et parlons, hein, s'il te plaît. Allô, chérie? T'es où? Dis-moi où tu es. J'ai dit que je suis à la prénatale. Hein? Allô? Chérie? J'ai dit que je suis à la prénatale. Allô? Tu me dis toutes ces choses alors que je t'ai juste demandé de m'aider pour que mon mari me regarde. Maintenant, tu dis toutes ces choses que tu as parlé, c'est bien. S'il te plaît. Ce que tu as fait, c'est bien. C'est ça tes visites? Hein? Tends la voiture. Ada? 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 C'est toi que j'appelle, non? Hmm? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je pense. Tu couches dehors, c'est ça? Avec une grossesse dans ton ventre. Tu couches dehors, c'est ça, non? Pourquoi tu t'énerves? C'est toi qui dors avec Bella, pourquoi tu t'énerves? T'as un kilo de me parler comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Alors maintenant, tu te compares avec Bella. Tu es enceinte de moi et tu couches dehors. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas ce que je fais. As-tu oublié que je t'ai pris au village? Je sais. J'ai compris. À chaque instant, tu oublies que je t'ai ramené. Tu es la seule personne qui a ramené une personne du village en ville. Je suis fatiguée. C'est bon. Sunkwanike. Geke Zuru Sunkwanike. Je ne dors pas avec lui. Je te l'ai dit. Je ne dors avec personne. Menteuse. T'es vraiment une menteuse. Je n'ai pas de temps pour... J'ai pas fini de parler, reviens là. Désolé. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Elle m'a tué. Elle a fait une chute. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'elle a eu? Je suis désolé. Est-ce qu'elle va bien? Désolé, vas-y, avance.
Mais qu'est-ce qu'il y a, Nora? Que s'est-il passé? J'ai rien, tu t'es fait mal au ventre. Dis-moi. Hey. Ah, mon ventre. Je suis désolé. Je suis désolé. Collé. Ça va? Hein? Le bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais attends. Arrête-moi. Attends, je suis là, je suis là. Ça veut dire que le bébé arrive. Oui, 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 oui. C'est toi qui m'as fait ça. C'est toi qui m'as fait ça. Allez, j'arrive. Attends, attends. On va à l'hôpital tout de suite. On va à l'hôpital. C'est moi la première. Je sais que tu es là. C'est moi la première. Une personne à la fois. Attends, attends, attends. Personne ne perd d'ici. La première. Attends, je la mets dans la voiture. Doucement, doucement. Je reviens, je la mets dans la voiture. Je suis là, je suis là. Doucement, doucement. Non, c'est là, c'est doucement. C'est moi la première, oh. C'est moi doucement, la première, oh. C'est moi ta femme, oh. Oui, oui, je te tiens, je te tiens. Je te tiens, je suis là, je te tiens. Attends. Arrête, pourquoi tu vas avec elle? Je suis là, je te tiens, non. Je suis là. Victor, il faut qu'on arrive au niveau de la voiture. Allez, je t'en prie. Doucement, doucement, doucement. Ok. Doucement, doucement, doucement. Victor! Dépêche-toi, oh, aïe, oh, qui va m'emmener à l'hôpital maintenant? Aïe, hey. Madame, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Madame, vous allez bien? Chai. Madame, qu'y a-t-il? Hey, désolé, désolé, désolé. Hey, enlève tes mains, tu es malade. Désolé, madame. Hey. Madame, qu'y a-t-il? Hey. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe? Madame. Madame, parlez. Le patron est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Hey. Va chercher la voiture, oh. Va chercher la voiture, mon ventre fait mal. Hey. Madame, montez sur mon dos. Madame, s'il vous plaît, allez-y. Dites-moi, docteur, est-ce qu'elle va s'en sortir? Bien sûr que ça ira. Mais je suis vraiment désolée pour le bébé. On n'a rien pu faire. D'accord. Au moins, elle... Elle va bien. C'est le plus important. Tu as raison. Elle va bien. S'il vous plaît, monsieur. Vous devez vraiment prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Je suis vraiment désolée pour le bébé. Merci. Excusez-moi. Tu vas bien? On vient juste de perdre notre fille et tu me demandes si je vais bien. Bien sûr que je ne vais pas bien. Rends grâce à Dieu que tu sois en vie et que tu vas bien. C'est le plus important. Il faut que je parte. Et où vas-tu? Je cours la voir, pas vrai? Je cours voir Ada, n'est-ce pas? Tu dois être à mes côtés maintenant que j'ai le plus besoin de... Pourquoi? Pas de problème. Cours la retrouver. Dépêche-toi. Laisse-moi tranquille. Va-t'en.
partiras quand je reviendrai. Soyez bienvenue, monsieur. Où est le bébé? Monsieur, le bébé est dans la couveuse. Dieu merci. Ma mère m'aurait tué. Elle est dans cet état depuis combien de temps? C'est depuis après l'accouchement. Elle est comme ça. Je vais parler avec le directeur. On va l'amener dans la salle VIP. Ça serait bien, monsieur. Surveille-la. Que personne ne s'approche d'elle. Tu gardes un œil sur elle. D'accord, monsieur. Considérez que c'est fait, monsieur. Je vais pas mettre long. Ok, monsieur. Nous vous entendons, monsieur. Ah, Seigneur. Et madame a accouché le même jour que l'autre seconde madame. Mon patron est en haut. Maintenant, le placenta a refusé de sortir. Oui. Maintenant, ils seront obligés de faire un choix. Ils seront obligés. Hein? Maintenant, c'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Où vas-tu? Quel est ce genre de question? J'ai aussi besoin de toi dans cette maison. S'il te plaît, reste avec moi. Je t'en prie, fais pas ça. J'ai un bébé prématuré entre les mains et Ada est là. Ada, c'est ton soeur, quoi. Elle est dans le coma, tu veux que je pense à quoi d'autre? Oh, vraiment? Est-ce de ma faute? Collet, souviens-toi, on a perdu notre enfant. J'ai pas dit que c'était ta faute, mais regarde-toi, tu vas bien. Elle ne va pas bien, elle est couchée. Ok, pour ton bien, j'appelle arrêt tes parents, ils viendront prendre soin de toi. Tu sais quoi? J'ai été stupide de croire en toi. Peu importe ce que je fais, tu ne laisseras jamais cette fille. Ok, tu sais quoi? Je suis désolé. Désolé? Collet, donc c'est ce que tu trouves Bella, à me dire? Bella, écoute, je vais faire venir tes parents, ils seront là pour te soutenir. Ah ah, Bella est dans le coma, tu le sais, tu veux qu'elle meure? Cette fois, essaie d'être féministe. Oh. Your love for granted, I was blind. Now all I want to do is make it right. I know I don't deserve a second chance, but I'll prove to you that I can change my stance. I love you better, and I'll make you see that you're the one
Times I made you cry. For all the hurt I caused, I can't deny. I took your love for granted. I was blind. Now all I wanna do is make it right. I know I don't deserve a second chance, but I'll prove to you that I. Dieu merci. Tu t'es enfin réveillée, Ada. Tu vas bien? Kéké, j'ai seulement accouché. Je ne suis pas devenue folle. Je me rappelle de tout ce que tu m'as fait subir. Écoute, je sais. Et je suis navrée. Mais au moins, ça peut te donner le sourire de savoir qu'on a un très beau fils. La famille est complète. Comme si tu n'as pas Bella et ton enfant. Pour Bella, elle a perdu l'enfant. Et elle va partir. Kéké, tout simplement parce que ton enfant est mort, tu veux qu'elle sorte de ta maison? Hey! Je ne connais pas ce que le diable et toi traitez ensemble. Fia, quoi. Mais ça devrait plutôt te ravir. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Méchant, méchanceté. Moi, je veux divorcer. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tes oreilles sont bouchées. Je veux divorcer. Dis pas ça. On a une famille maintenant. On a un fils maintenant. Alors? Eh? Je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que tu veux divorcer? Qui t'a mis cette idée en tête? C'est ce garçon-là? Ce torchon? Écoute, oublie tout ce qu'on peut te dire dehors. Pense à notre famille. Pense à ton bonheur. Tu n'as pas pensé à ce que ma maman allait dire quand tu as porté une autre femme pour venir à la maison. Tu n'as pas pensé à ce que ma maman allait ressentir quand tu es venue avec cette femme à la maison. Comme si tu ne me voyais pas. Non, non, Ada n'est pas une personne importante. Une personne qu'on ne voit pas. Maintenant, je veux partir. Tu as dit que je suis villageoise, que je ne sais pas faire le make-up. Que je ne suis pas jolie. Pas de problème, je t'ai laissé avec ta petite amie qui sait faire le make-up. Ada... Je suis désolé, j'ai fait une erreur, s'il te plaît. Mais permets-moi de me rattraper maintenant. Ce n'est pas la force, je ne veux plus faire ça. Je suis fatiguée. Je vais pas permettre à ce qu'un gamin vienne gâcher mon foyer. Comme ça, c'est ce garçon qui te fait te comporter comme ça. D'accord, je sais quoi faire.
Où est-ce que tu vas? Y a pas de problème. Ne va pas taper ce garçon, oh. Il n'a rien fait. Il m'a seulement donné des leçons. Keke, ne va pas. Ne touche pas ce garçon, oh. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait. Tu veux aller bagarrer, mettre tes problèmes sur la tête des autres? Tu as dit que j'étais une fille du village. Laisse-moi rester dans mon coin. Tu refuses. Ne me dis jamais ce que tu veux. Qui va là? Vous voulez casser ma porte ou quoi? Qui diable êtes-vous? Hé, hey, toi. Écoute-moi bien. Reste loin de ma femme. Tu m'as entendu? C'est un dernier avertissement. Tu restes loin de ma femme. Et arrête de mettre ces conneries dans sa tête. Je vais te briser en morceaux. Alors vous êtes venu chez moi? Dans ma propre concession, pour me menacer? Mon cher, c'est pas une menace. Mais reste loin de ma femme. C'est ton dernier avertissement. Écoutez, que ce soit bien clair pour vous. Ça ne dépendait que de moi. Et vous aurez pris votre femme en une seule seconde. Ok? Mais pour maintenant, je veux que vous partiez de ma maison. Allez prendre soin de votre femme, avant que vous ne la perdiez. Tu ferais mieux d'écouter un conseil de grand. Il n'y a qu'un fou qui ne se remet pas en cause. La prochaine fois, tu verras. Sortez de chez moi. Bah, je m'en vais. Comment elle a même fait pour entrer ici? Ils viennent chez moi pour me menacer. Maman, j'ai accouché, oh. C'est un garçon. Merci, maman. Merci, ma. Non, tu n'as pas besoin de venir. Ne viens pas. Je vais venir. Je viens au village. Je vais venir au village pour que tu m'aides à presser mon ventre et te voir. Il y a quelque chose que je veux te dire, oh, mais quand je vais venir, je vais te dire cette chose. Oui, ma. Hey, je vais le saluer, ne t'inquiète pas. Oh, ma. D'accord. Bonne, ma. D'accord. Allô? S'il te plaît, hein, je veux que tu m'apprennes comment divorcer. Debout, debout. Elle ne parle pas. Sors. D'accord, monsieur. T'as entendu? J'ai dit sors. Ok, monsieur. Ada. Je sais que... Je ne veux pas comprendre ce que tu veux parler. Merci. C'était une erreur que j'ai faite et... S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Prends ce papier et signe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça, Ada? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a donné ces papiers? Ada, tu m'aimes et je le sais très bien. Alors? Et pourquoi tu essayes alors de me divorcer? Je t'ai déjà dit que je veux le divorce. Je veux le divorce. Ada, tu peux pas faire ça. Tu as dit que je suis villageoise. Je peux pas faire ça. Tu as dit que je suis villageoise. Pourquoi je ne peux pas le faire? Ada, écoute. Je sais que ça m'a pris un moment pour le réaliser. Mais maintenant, je sais que je t'aime.
Je t'aime. Ada, je t'en prie. Regarde. Kéké. Oh, tu ne veux pas m'écouter quand ça je parle, suffit, c'est Kéké, ça Kéké, ça me suffit. Arrête. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je t'en supplie, tu comprends? Ne me touche pas. Oya, enlève ta main. Enlève ta main maintenant, retire. Ada, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? J'ai dit que j'étais désolée. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Je ne suis plus mariée. Je ne veux pas être mariée. On va pas divorcer maintenant, Ada. Ada Beke. Kéké, si tu m'appelles encore avec ce nom, je vais te donner un coup de poing. Depuis, tu devais m'appeler Ada Beke, depuis. Tu ne m'as jamais appelé Ada Beke. Maintenant, tu m'appelles Ada Beke. Je ne veux plus être mariée, c'est la force. Est-ce que c'est la force? Il y a un début à tout, non? Moi, je vais continuer à t'appeler Ada Beke. Ada, je sais que tu m'aimes toujours. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Ada, je t'en prie, je suis désolé. Ada, je t'en prie. Ne me touche pas, ne me touche pas. C'est ça qui m'énerve le plus, ne me touche pas. Ada, c'est moi. Que je suis une fille lâcheuse. Moi, Ada Beke, si c'était à cause du make-up que cette fille m'était, si tu me donnais de l'argent et me disais d'acheter mon propre make-up pour toi, j'allais la dépasser avec la beauté. Seulement parce qu'elle a, la peau jaune. Et que moi, je suis noire. Tu vois qu'elle est belle plus que moi. Donne-moi du make-up. Donne-moi les mèches de la tête. J'ai même porté cette mèche maintenant. J'atteins bientôt son niveau. T'es plus belle qu'elle. Et ta peau est plus jolie que la sienne. S'il te plaît. Ne pars même pas de ce côté. Mais c'est la vérité. T'es toujours mon bébé. T'as toujours été mon bébé, tu le sais, non? Ne me provoque pas, oh. Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans cet endroit? J'ai entendu que ton enfant est mort. Désolée. Mais moi, je ne vole rien. Es-tu idiote à ce point? Les hommes comme Corey ne courent pas les rues, tu sais. Tu feras une grosse erreur si tu le laisses partir aussi facilement. C'est mieux que je reste dans mon coin, toute seule. C'est mieux. Kunle n'est pas une bonne personne. Écoute, Ada. Je te conseillerais d'y réfléchir posément avant de prendre une décision quelconque. De plus, j'étais déjà enceinte avant qu'ils ne viennent t'épouser. Ceux-ci sont juste des circonstances de la vie. Tu ne devrais pas laisser tomber ton mariage à cause de ça. Je ne veux pas me réveiller chaque jour et voir ton visage. Je suis fatiguée. Alors, reste avec Conley. Il est pour toi, n'est-ce pas? Je quitte Conley. Je suis venue ici pour te faire savoir. Tu peux l'avoir pour toi toute seule. C'est moi qui te laisse Conley. Je te laisse avec Conley. Comme ça, tu peux l'avoir pour toi seule. Au revoir, Ada. Maintenant, cette femme abandonne Kunle. Ce n'est pas moi qui vais rester. Je le donne à la personne suivante.
Allô? Maman? Maman, je rentre à la maison. Allô, Bella. Comment vas-tu? Non, maman, je ne vais pas bien. J'ai perdu le bébé. Que veux-tu dire par tu as perdu le bébé? Comment ça, ma fille? N'y avait-il pas de médecin dans cet hôpital? Maman, je suis désolée de vous avoir déçu, papa et toi. Je suis vraiment désolée, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais je n'ai plus ma place ici, maman. Oui, maman. Je ne t'entends pas bien. S'il te plaît, pars pour de bon. Il faut que tu ailles lui rendre visite. Mais avant ça, on doit faire la paix. La vérité, c'est que je vois ça comme une épreuve. Et que chacun doit juste accepter la réalité. Tu sais, j'étais sur le point. Quand je laissais bébé Cam, la prunelle de mes yeux. J'allais aimer ce bébé comme si toute ma vie en dépendait. Le voir comme toutes les promesses que tu me faisais, comme prendre notre amour au sérieux et toutes les autres choses, mais ce n'était que des promesses. Tu n'as réalisé aucune de ces promesses. À quoi est-ce que je pensais? L'erreur a déjà été commise. Il n'y a rien que je puisse faire à propos. Mais je te promets, ça ne se reproduira plus jamais. Et là, écoute, je suis sincèrement désolé pour tout. Je le suis vraiment. Mais... Ok. C'est fini entre nous. Je m'en vais. Je suis revenue juste à cause de ce bébé. Et rien de plus. Et maintenant que le bébé n'est plus, je dois partir. Je dois prendre soin de moi. Je dois utiliser ma tête. Je dois sortir. Sortir de ton espace et oublier tout ce qui s'est passé entre nous. Je m'en vais. Ada? Ada? Où est-ce qu'elle est partie? Où t'es passée, Ada? Ah, monsieur, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est passée? C'est quoi? J'étais juste allé manger, monsieur. En fait, j'avais très faim. T'es encore juste une instruction. Reste sur place, c'est tout ce que t'avais à faire. Non, monsieur, j'allais manger, j'avais faim. Je ne sais pas où elle est partie.
C'est à moi que tu le demandes. Désolé. Mais non, je sais pas ce qu'elle fait, je sais pas où elle est partie. Je dois l'arrêter avant qu'elle ne soit avec quelqu'un d'autre. Monsieur, attendez. Mais là, maintenant, je dois vous conduire parce que votre cœur tremble comme ça. Au lieu de bavarder, on y va. Allons-y. Monsieur, calmez-vous. Avance. For the times I made you cry, for all the hurt I caused, I can't deny. I took your love for granted, I was blind. Now all I wanna do is make it right. I know I don't deserve a second chance, but I'll prove to you that I can change my stance. I love you better, and I'll make you see that you're the one for me. So don't tell me that it is too late to apologize. Ada, attends. Ada, tu vas où? Tu vas pas abandonner ce mariage comme ça? C'est ce que tu veux faire? C'est ça que je vais faire. Dès que tu signes les papiers. Signe les Ada, papiers, je dois partir. Donc tu veux même pas penser à ton enfant? Notre enfant? Je vais prendre soin de mon enfant à distance. Je suis fatiguée. Ada, ok, je suis désolée. Bella n'est plus dans la scène. Elle est partie. Pourquoi tu l'as laissée partir? Parce que je savais que je te faisais du mal et il fallait que je l'arrête. Je suis sérieux et même elle le savait. Ada, je t'en prie, je suis vraiment désolé. J'ai foiré, je le sais. Tu m'as fait venir en ville pour me maltraiter. Je t'en prie, pitié, pardonne-moi s'il te plaît. Les choses seront mieux maintenant. Je ne veux pas. Je t'en prie. Je suis désolé. Si tu me quittes maintenant, qu'est-ce qu'il adviendra de moi? Tu vas aller chercher une autre non, Bella. Non, je veux pas qu'il y ait une autre Bella. Je veux que ce soit toi. Ada, je t'en prie, je suis désolé. Je ne suis pas heureuse dans le mariage. Le mariage avec toi est un incendie. Ce sera le bonheur maintenant. Je te le promets. Je t'en prie. Vas-tu me pardonner? Ada, t'as dit que tu m'aimais. T'as dit que tu m'aimais depuis qu'on est tout petit. Ou alors tu m'aimes plus maintenant. Je t'aime toujours. Alors je t'en prie, pardonne-moi. Tu vas me pardonner? Cette fois, on reprend tout. Vraiment? Fais-moi alors un câlin. Ada, mais t'as dit que tu me pardonnais, non? Ça ne veut rien dire. Si tu ne le fais pas, moi je le ferai. Je t'aime. Et je te promets que cette fois-ci, ce sera différent. Thank you.
after. Say that I'm sorry. I'm sorry for the times I made you cry. For all the hurt I caused, I can't deny. I took your love for granted, I was blind. Now all I wanna do is make it right. I know I don't deserve a second chance, but I'll prove to you that I can change my stance. I love you better, and I'll make you see that you're the one for me. So don't tell me that it is too late to apologize.